Et salut. C'était, c'est encore, mais bientôt fini, Nirvana on a plane, qui est une super chanson de Nirvana. Et salut Zen. Comment ça va? D'ailleurs, toi, tu saurais peut-être me rappeler, c'est à quelle heure la race de Rock Day? C'est à 22h30, c'est juste? Aussi, là, on n'a pas le choix de qualité, ça me casse un peu les couilles, mais c'est pas grave. Du coup, j'ai encore rien préparé, faut que je lance mon RTC, là. RTC, le Real Time Corruptor, que j'utilise pas, mais ok, 22h30. Faudra que j'aille regarder, en tout cas en bout. Donc ouais, Real Time Corruptor, qui est le programme que j'utilise comme émulateur, c'est un méta-émulateur, c'est génial. Qui est basé sur BizHawk, mais il y a moyen de... Bah tiens d'ailleurs, hop, qu'est-ce que je vais te montrer en coup parce que c'est rigolo. Je vais faire ça sur Secret of Mana parce que j'en ai rien à foutre. Et j'ai envie de détruire Secret of Mana. Juste aller dans le village, parce que ça va être un petit peu rigolo. Et puis je vais juste montrer les effets du corrupteur parce que... C'est un petit peu rigolo. Par contre, ouais, j'avais pas fait de save state la dernière fois, donc je vais en faire une là au cas où, parce que j'en aurais besoin, je pense, après avoir corrompu le jeu. Mais du coup, là, c'est assez facile. Je vais juste utiliser. Ouais. Tac. J'ai pas fait les modders, non. J'aimerais faire. Y a pas beaucoup de sortes de RAM dans ce jeu, c'est pour ça que là il se passe pas grand chose, il y a juste des choses étranges qui apparaissent là. Pas assez de glitch, mets-moi plus de glitch, fais pas chier. Là, contre lui. Ouais, ok, c'est pas comme ça, c'est pas ça qu'il est censé y avoir à cet endroit. What? Allez, plus de glitch. Ouais, bon, ok. C'est peut-être normal. Peut-être normal, attendez. Ouais, non, mais en plus, là, je fais n'importe quoi. Hein. Oh, il veut pas reboot, aussi. Ouais, il est en train de crash, là. Ah, ouais. Ah, ça me manquait, ce son. C'est même pas le bon son. Mais je crois que je vais pas continuer à faire du... La corruption. C'est juste pour montrer, mais j'en aimerais en mieux. J'ai pas vite fait un autre jeu que je pourrais corrompre qui est rigolo, où c'est facile, où je sais qu'il pourra y avoir des trucs. Non, c'est pas Secret of Mana. J'ai juste envie de faire un tout mini peu de corruption au tout début parce que je trouve rigolo. Attendez, faut juste que je... On s'en fout. Tout ce que je veux, c'est faire des corruptions. 5 minutes de corruption, après on passe... Toi, tu me donnes ton... Tu me donnes le bouclier, voilà. Ça me remettra dans le bain aussi pour mon projet rigolo. Je veux du WRAM, du VRAM et du... Ouais, le reste aussi. Bon. Ok, c'est peut-être un peu violent. C'est clairement trop violent. Vite. Gameplay. Donne-moi mon truc. Pendant que je suis en accélération, ça corrompt pas. Donc, tu vois ce que c'est, Zen, le décorruption? Nouveau une run linkless? Non. Donc ouais, causer des glitches volontairement quoi. Ouais. On va faire comme ça,
comme ça. C'est lequel qui veut pas? C'est le Ashram, je pense. Peu près normal là. Non. Oh! Coucou. Yes! Je suis à moitié Link et moitié quoi? J'étais moitié Link, moitié quoi? Me fait chier là. Moitié arc, moitié plus rien du tout. Putain, mais il veut plus que je fasse des transitions quoi. Non, chiant. Bon. Oh, il veut absolument faire ça et puis il crash. On va arrêter de corrompre et puis passer pour de vrai sur Secret of Mana, je crois. J'adore ça. Les bugs, de toute façon, c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé absolument fantastique dans les jeux. Alors pouvoir en causer avec un corrupteur en temps réel, c'est juste génial. T'es sûr que t'es plus corrompu, toi? Alors, dernière fois... voyons, il me semble que j'ai... Bon, j'avais fait le truc au château ici. Après, j'étais allé au QG... Il est où le café? J'étais allé au QG des résistants, là. Il me semble que c'est en bas. C'est dans le... Voilà, c'était ici. Et puis, j'aurais causé, ils se sont barrés. Et après, je devais me démerder. La résistance est bien dissimulée. Ouais, non, mais je sais, j'y suis. J'ai entendu Lola pleurer cette nuit. Oui, ça me fait une jambe, à peu près. Mais je pense que je vais devoir aller au château. Ouais, les ruines. Okay. Là, il continue de me dire la même chose que la dernière fois, apparemment. Ah oui, je pense du coup, voilà, utiliser des vrais mots. Je pense du coup que je vais m'arrêter autour de 22h30 et puis aller regarder la race de. Si vous avez affaire au château, je crois. Ouais, donc du coup, avant, j'étais clairement pas dans la bonne map, quoi. Parce que là, il va de nouveau y avoir le mec. Non? Il y avait le premier mini-boss de Zelda 3 la dernière fois. Bienvenue, l'empereur t'attend. Ah bon? Pourquoi l'empereur m'attendrait? Peut-être tu causes pas? Si. Ok, bon ben. Je sais pas du tout pourquoi l'empereur m'attendrait. Ah, parce que j'ai aidé à côté puis buté des monstres? Mais pourquoi est-ce que l'empereur veut me voir? Qu'est-ce qu'il en a à foutre du type avec le bandeau rose qui se balade vers chez lui? Il est aussi pareil? Ouais, ok. À ta droite, s'il te plaît. Vous allez tous me dire bienvenue l'empereur, t'attends? Ouais. Où sont-ils tous? Dina. C'est un jour dont on se souviendra. Nous écrasons la résistance et le chevalier Mana. Et salut Nicrose, ça va toi? Moins de bruit! Piégé! Un peu fatigué. Non, moi ça va, aujourd'hui j'ai juste eu la répète. Avec le groupe. Maintenant on fait deux répètes par soir, moi ça me va.
Deux répètes par soir. Bien, évidemment, oui, absolument. Deux répètes par. Mais j'ai vu que là il y avait un at everyone. Tu peux arrêter de bugger Discord. Oh, ça va me casser les couilles. Discord, j'ai vu le at everyone. Tu peux m'enlever la notification. Deux répètes par semaine, exactement. Bon, là il y avait pas le bassiste. Mais au moins on a les deux guitares et la batterie, donc on arrive bien à s'entraîner. On est en train d'entraîner un nouveau guitariste en fait. Parce que la guitariste qui est maintenant, elle va se casser. Méga voyage de X temps. Non, l'empereur Vandal est ignoble. Vandal? Nabilo? J'aurais dû m'en douter. Laissez-nous sortir. Toi, laisse-moi sortir. Du calme! Ah, tu veux sortir? Oui? What? Fait quoi, t'as déjà? Je fais la guitare aussi, la guitare lead et le chant. Que chacun parte! Cool, chacun son tour. Quoi? Ils me poussent dans le précipice. Ok, c'est elle, donc c'est parfait. Tu vas utiliser lui et le machin d'identification pour savoir contre quoi lui il est nul. Parce qu'il m'a l'air de rien en avoir à branler des... Si, un tout petit peu, des attaques physiques. RFE... Papet sombre, je sais, dis-moi contre quoi il est weak. Il est weak contre rien. Papet, soit utilisable. Oui, il s'appelle Papé, comme les papés vaudois. On va... Non, le feu, sûrement pas, hein. Essayons glaçon. Essayons la boue. ~225, voilà, là ça parle un petit peu plus. Est-ce que j'ai racheté des noix et des trucs comme ça? C'est pas pris. Et ouais, j'ai oublié de réparer ma manette Super NES. Donc du coup, j'ai joué avec le bouton essentiellement enfoncé. Pendant toute la durée du stream, ça va être un peu chiant, mais... Ok! Putain, il était nul! Mais ouais, est-ce que j'ai racheté des noix... Non, pas des noix, des noyaux, des graines. Ça, c'est fait. Ouais, alors... Une assez bonne magie, et puis... réglé, quoi. Bravo! Merci. Obtenu sphère du gant. Ouais, ça, j'utilise pas. Mais si c'est une forme de cœur. Maintenant je vais aller buter l'empereur. Salut. Ah. Est-ce que je veux d'abord aller là ou est-ce que je veux d'abord aller au nord? Je crois que je vais d'abord vouloir aller au nord. On va voir s'il y a quelque chose de caché. À moins que ce soit ici qu'il y a quelque chose de caché. Pas l'air. Non, il y a juste rien. Non, je suis déçu. Allez! Aussi, j'en suis à légèrement plus de la moitié. Là, je dois gentiment approcher des deux tiers du jeu, je crois. ~1000 PO! Aussi, je suis full équipement là maintenant. Par rapport au moment où je suis. J'ai les meilleures armures et trucs que je puisse avoir. Ok, ouais, vous faites des choses. Fais voir, hein. Ouais, on finit ça.
qu'on lui donne une graine. Et ça fait pas des masses de dégâts. Mais en même temps, ils sont relativement faibles. Attends, niveau 27. Mais est-ce qu'il a récupéré ses PM? Il a pas récupéré ses PM. Et eux, ils respawnent tout le temps. Ah, ça serait un bon endroit pour... Allez, on se casse. Ça aide, on l'a bien vu l'autre jour, ouais. Je voulais regarder quoi, je voulais faire quoi. Ah ouais, je voulais voir s'il avait, si on avait encore des graines. Mais je crois que j'avais fait le plein. Non, j'en ai 3. Suffisant. Hé hé. C'était incroyable. Extraordinaire. J'aurais dû m'en douter. Absolument. Merci, les soldats sont venus prêter main forte. Sortons d'ici. Ouais, vous avez grave l'air de sortir. Attends. Aussi, cette musique, elle est bizarre. Je suis pas méga fan, là. Non. Elle s'est pas pris les dégâts, yes. Oh putain. Ils sont en armure, techniquement ils devraient bouillir là-dedans. Pensons élément Pokémon. 70. Ouais, 70 quelque chose. Ça passe. Tellement beau. Comment? Tu crois pouvoir faire face à moi? Allez, oust. Oh putain, mais il y en a combien? Allez. T'arrives à tous les prendre? Non. Ils sont trop loin. Là, maintenant, tu les as, hein. Non, pas celui d'en bas. Eh, hey, good enough. Nice. Ouais, voilà. Ils arrivent à se faire avoir. Je ne te vois pas, bonhomme. On l'a eu? J'arrive pas à descendre. C'est pas des escaliers, ça? Bon, allons de ce côté. Juste les avoir avec des attaques physiques, cela. Oh là là, double! D'un côté, j'ai pas envie d'utiliser trop, mes attaques ou mes trucs. Mon mana. Et de devoir gaspiller des graines. D'un autre côté, c'est juste tellement pratique. Easy. Encore un? Il doit y avoir un faux. Sphère de la hache, joli. Ouais, ok, il y en a qui spawn à l'infini. Sphère du fouet. Oh, bien! Parce que autant la hache, j'utilise pas. À part pour certains éléments de décor qu'il faut péter. Vraiment rien d'autre? Ouais, eux, ils ont respawn, mais fuck it. Bien que... Ouais, allez, ils sont relativement faciles à buter. Et puis normalement, je devrais bientôt retourner au village. Je vais pas avoir à me taper un autre boss, je crois, j'espère. C'est pas vraiment comme si c'était en donjon, ça. T'as pas utilisé la magie que je t'ai demandé. Ok. Et puis du coup, je vais pouvoir aller racheter du stuff. Non, celui-là, non.
pas envie. Mais il veut pas que... Il veut pas que je descende. Ou alors je vais là. Je pense que c'est là qu'ils veulent que j'aille. Le gars qui se cache. Ok, lui il s'en fout du feu, c'est bon à savoir. Continuez de les attaquer comme ça. Enfin, de l'attaquer lui, les autres en bas ils font ce qu'ils veulent. Papé. Oh, il vient de level up, ok, parfait. J'allais le heal. Excuse-moi que les autres. Yeah. Ok, on n'avait pas le droit de passer ici. Est-ce que j'essaie d'aller d'abord ici ou. Non, je vais l'avoir à travers le mur. Est-ce qu'il a d'accord de continuer? Oui. Ah, j'aime bien quand ce genre de truc arrive là. C'est pété. Voilà, ça fait des XP mais gratuits. Ça me remet dehors. Ouais, ça me remet dehors, c'est fou. Quoique, c'est peut-être la suite. Ouais, je pense que c'est la suite. C'est une chapelle? Trou du cul derrière. Bon, c'est des types de feu, hein, donc du coup j'imagine que hop, glaçon, on va voir ce que ça donne. Ouais, 39, bon en même temps, j'avais la magie niveau 0, donc c'est pas... Et un bouquin qui arrive aussi. Un. Et les sprites qui buguent un peu, hein. Fais-moi des dégâts comme ça. Voilà, ça me donne une excuse pour faire un heal général. À partir de L. Tac. Voilà. Lui, il a l'air d'avoir juste disparu. Il n'y a même plus son ombre. Nouveau lui. C'est plus chiant. Ça ressemble à la zone d'avant, ça m'emmerde un peu. Quand les ennemis bug comme ça, c'est tellement pété. Parce que à moins qu'ils arrivent à envoyer une magie, là ils sont juste mais complètement bloqués, ils sont incapables de faire quoi que ce soit, ils ont pas assez de range pour nous attaquer. Pareil pour lui là. Derrière son vieux mur de merde. Et un autre aussi à droite, by the way. À gauche. Ça me fait des XP gratuits, moi je prends, mais volontiers. Bon, s'il avait un petit peu moins d'esquive aussi, ça pourrait aider. Parce que, il me casse juste un peu les couilles, quoi. Vous avez le droit d'attaquer aussi. Voilà. Nickel. Pareil pour son cousin un peu con, là. Attends qu'il revienne. Il revient ? Oui. Je l'ai eu. Bon, le coffre là c'est mort. Il y en a, mais j'ai pas vraiment envie de me les faire. Non. Ah, les trucs de TP, hein.
se faire chier avec la magie. Hein. Ouais, c'est des TP. Salut Vanguard, comment tu vas? Où est-ce que je veux aller? Non, ok, là c'est rien. Pas pendant que je suis en train de m'abreuver, please. Ça va très bien. Passé une bonne journée. J'ai enfin fait ma feuille d'impôt. J'ai pu noter. Genre, zéro, c'était bien. Je sais pas si j'ai tout fait correctement, mais on s'en fout. Ça veut juste pas, c'est juste une blague. Ouais, ça m'a l'air. Ça marche. Ok, donc bon, cela non. Ouais, je vais pas m'amuser à te réattaquer, hein, toi non plus. Fuck you. On va essayer celui de droite. Celui de droite, il veut pas. Celui-là? Non? Où est-ce qu'ils veulent? Non, ils veulent quand même pas d'abord qu'on bute tous les... Tous les Gugus, ce serait trop con. Là, typiquement. Ultra Ninja aussi, il s'appelle. Ouais, non, là, on peut y aller, donc. Un peu fucky, comme truc. Ah, en plus, là, c'est considéré comme un mur. Je peux pas l'envoyer à travers. Et ouais, je vais pas... Nice. C'est qui se prend des dégâts? Ah, moi. Ouais, y a pas tout le monde qui est en train de se bouffer des... Beaucoup de dégâts, donc on va utiliser les chocolats, je pense. Du coup, pour tout le monde, sauf elle. Attends, je peux passer. Eh, ça sent le boss. Je suppose que t'es le vrai. Je suppose que tu es le vrai. Sire, donne-moi une autre chance. Pourquoi pas? Finis-en avec eux et viens au palais. Maintenant, je réclame mon honneur. Ah, à nouveau lui. Ouais, je reconnais ça. Tu crains quoi? Non, Flora. C'est pas le bon. Voilà, identification, analyse. Il craint rien, il craint les attaques physiques. Moi aussi. Flora, tu bosses. Papé. Trop tard? Ouais, trop tard. Putain, fais chier. Parce que lui, je vais en avoir besoin. Alors, une petite coucoupe. Papé, évidemment. Yeah. Il a pas envie d'attaquer. Non, parce qu'il est vite fait en train de se prendre des dégâts. Allez, venez, venez, venez. Flora, fais pas chier. Là, tu le vois. C'était qui? C'était lui, hein, pour l'électrique, ouais. Et Revanguard. Non, il le voit pas. Il refuse de le voir. Sors de ce menu, comme je suis en train de te demander. T'es un homing sur Flora. Et il s'est couché parce qu'il avait juste pas envie de continuer. What the fuck? Sérieux, les gars, quoi? Faites quelque chose. Réveille-toi. Là, tu le vois. Voilà.
Toi, tu vas faire un heal général. Et je peux pas voir combien ça lui a fait, mais de toute façon on va lui rebalancer hein, maintenant. Ah, il a quasi plus. Bon, fais ça. On va voir si ça lui fait au moins quelque chose. 153, pas mal, pas mal. Mieux que rien. Non, toi t'as besoin d'une noix. Flora. Elle est en train de... Non, c'est bon. Mais c'est bon là pour l'instant, il n'y a personne qui a vraiment besoin. Ok, il récupère son chenil. Tu refais une attaque électrique, ça m'a l'air pas trop mal. Je fais n'importe quoi avec mes menus. Mais apparemment l'autre était mieux. À moins que c'était par Purple, c'est possible aussi. 83, ouais. J'ai l'impression que c'est essentiellement du Purple. Tu peux te relever. Il va bien là aussi. Il va bien passer par au-dessus et puis il va nous casser les couilles ou bien. Non. Ouais, il faut absolument qu'on aille vers lui pour qu'on se prenne des dégâts. Hein. Et toi... Tu peux nous faire... Ouais, en heal général, même si moi j'ai pas spécialement besoin. 78, c'est pas... Toi, tu lui en balançant. Tu lui en rebalançant. Encore. Encore. Voilà. Easy ravioli. Je répète aussi, d'ici une heure, j'arrêterai le stream. Je pense, à peu près. À moins que je sois vraiment au milieu d'un gros truc. Parce qu'il y a Rogdae qui va avoir sa race qu'il doit absolument gagner. Pour continuer dans son tournoi de Link to the Past Randomizer. Je vais mettre le feu à cet endroit. Et moi, j'ai envie d'aller le soutenir. Parce que Rogdae est un type formidable. C'est la fin! Il a une moustache! S'il passe pas en Gomon, bien entendu, évidemment. Quel est ce bruit? Youhou! Mais c'est Truffe! C'est qui Truffe? Ah, c'est le roi Truffe! J'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Ah, il est là, Truffe. J'arrive trop tard. Voulez-vous savoir comment je suis venu ici? Et avec Flammy, il est devenu immense et il vole. Ne sachant que faire, j'ai sauté sur son dos. Sur Truffe. Exactement. C'est drôle. Il croit que vous êtes ses parents. Il veut vous aider. Prenez ce tambour. Prenez ce tambour Flammy. C'est son jouet préféré. Utilisez-le n'importe où et Flammy arrivera. Même à l'intérieur d'une maison. Maintenant, emmenez-moi à Bolest, au sud-ouest. Et voilà le truc fantastique de ce jeu. Wouah, mode 7! Il a dit sud-ouest. Est-ce que je vais un peu loin là? Je sais plus ce que c'est là. Je vois pas. Est-ce que je suis où il faut? Je connais pas du tout. Oui! Je suis exactement au bon endroit.
tu chevaucher Flammy. C'est méga stylé. Si tu te perds là-haut, utilise ses pouvoirs. Start, tu vois la carte. Ah ! J'ai enfin une putain de carte ! J'ai enfin une putain de carte. Donc du coup, ce machin que je me traînais sur mon bureau depuis méga longtemps, maintenant c'est bon. Plus besoin. LR, tu modifies les modes. Je reveux la mode grunge. Tu trouveras la Sierra au sud-ouest. C'est là que ce que tu cherches est là-bas. Encore plus au sud-ouest. Ah, viens me voir, d'accord? Non. Je vais acheter des choses. Ça ressemble vachement à la map de Dragon Ball Z, l'héritage de Goku 2. Ah bon? C'est lequel qui est sorti d'abord? Ouais, je vais faire le plein de bonbons parce qu'après, dans les zones d'après, on peut pas en acheter. Or, c'est quand même pratique de pouvoir se faire des mini-heals. C'est 4 max, hein. Et j'ai mon bouton B qui est constamment enfoncé. Secret of Mana est sorti bien avant, d'accord. Bah, passe-moi les trucs Dragon Ball Z. C'est vraiment pas mon kiff, malheureusement. Dragon Ball, de manière générale. Bon bah... Tambour Flammy. C'est lequel de mes potes qui avait un truc comme ça? Je sais plus. Alors, c'est quoi ces histoires de... Ah, c'est ça, les changements de mode. Et donc, du coup, si on regarde la carte... Wouah! Ouais, elle a un petit peu de mal à bouger hein, quand c'est en haut en bas, mais comme ça, comme ça, ça va. Il veut donc que j'aille à Sierra. Sud-ouest. Non, c'est plutôt sud-est. On va continuer vers le sud-ouest. Là, il y a un bidule. Salut, vous êtes qui? Oui, j'ai débarqué en dragon. Salut. Plus personne n'entre. C'est ce que je veux. C'est le château de Tasnica. Ah, vous pourriez me dire où c'est Sierra? C'est ce que je cherche. Il y a un château, je vais aller là. J'ai pas le droit? Si, là j'ai le droit. C'est l'endroit des glaces où j'étais à la base? Ouais, ici je suis déjà venu. En vrai, je pense pas que je suis allé où il fallait. Je crois que je suis allé beaucoup trop loin. C'est quoi là? Ça a l'air d'être un temple dans le style temple de l'eau. On ne peut pas bouger. Nous repousse. Ouais, c'est pas aussi libre que j'aurais espéré. Pour commencer, après on pourra sûrement aller absolument où on veut. Ouais, je pense que c'est... Voilà Flammy, vous pouvez économiser 10 balles en n'utilisant pas les...
les voyages canons. Celle-là où on n'avait pas le droit d'aller, je crois. Là, je me souviens, ouais, c'est où il y avait les mycènes. Ouais, et puis les dragons qui se baladent. Putain de merde, c'est où Sierra? On va regarder si j'ai ça sur ma map magique. Mana map. Non. Il n'y a pas marqué Sierra. C'était Sierra, hein, qu'on me disait. Non, de toute façon, va gentiment falloir que je fasse un birbé. J'ai pas pensé à lancer le recording, putain! Attendez, je vais noter qu'il faut que je DL la VOD. Oh, fais chier! DL VOD, on est le quoi? 21 du 3 19. Oh, lourd! Bah, je vais pas la lancer maintenant, quoi, mais. Donc, du coup, je sais toujours pas où est Sierra, donc. Ne pas appeler Flammy ici. Mais déjà, je fais ce que je veux. Puis ici, 5 mètres plus loin, tout d'un coup. Oh, c'est bon! C'est déjà quoi cet instrument? Comment on appelle ça? Bon, du coup, on va juste retourner au-dessus du royaume des champignons. Et il avait dit au sud-ouest. Est-ce que c'est là? Possible. Je suis où? Petit gamin! Bienvenue à la Sierra! Ici, c'est Mandala! Non, 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 non. Mais attends. J'ai envie de savoir. On va chercher tambour Flammy. Tambour Flammy, vous permet de gnagnagna. Ouais, mais tu peux me dire sur quoi c'est basé à la base? Oh, ils ont même pas un bout de trivia pour me dire sur quoi c'est basé. Tambour Flammy. Nah, ils disent pas. J'ai envie de savoir. Je crois que c'est censé être basé sur un truc bouddhiste ou hindouiste que t'es censé justement faire tourner entre tes deux mains, puis du coup il y a ces espèces de petites boules, parce que bon, hein, on voit bien ça ressemble à ça. Avec les petites cordes. Mais ouais, on est censé faire tourner la baguette entre nos deux mains pour que ça fasse taper dessus d'une manière répétitive, et puis c'est censé aider pour la méditation. D'après mes très vieux souvenirs, il me semble que c'est censé être un truc du style. Maintenant, sur quoi c'est censé... Tambour Flammy... Je sais pas, religion... L'importance des... Tambours... Tambour sacré Shakti, c'est possible? Tambour Shakti. Non, c'est pas du tout ça. Un petit tambourin portatif. Non, mais je crois pas. Enfin, c'est pas des clochettes, les machins. C'est...
truc qui n'a rien à voir. Ok, fuck it, j'irai regarder ça une autre fois. Toujours Discord, j'ai vu, c'est Rant Everyone, tu peux. Voilà, putain, merci. Alors, on va juste chercher un petit peu ici. Après, je vais faire un BRB. On va essayer de commencer en tout cas une nouvelle zone, je pense. Si je pouvais save d'abord, y a pas une petite auberge quelque part. Oh là, le crâne de ce gars! Mana soutient le cosmos, mais ce n'est pas l'infini. L'infini, c'est mon front! Les gens n'apprécient plus les plaisirs de la vie, donc Mana se meurt. C'est un alien, le gars! Crâne de la vérité, mais le gars, il sait tout. Le gars, il est né. Le gars, il est né, il savait tout. En vrai, pour économiser des thunes, je pourrais aller à un endroit où il y a Chacha au lieu d'aller dans une auberge. Mais bon, là, au niveau des PO, je suis quand même facilement pas mal. Là, j'ai vraiment du très bon stuff. Full objet. Il est terrible. Ah! Et puis en plus, avec ces espèces de Sarwell, on dirait qu'il a un énorme cul. C'est... Il fait peur. Il me fait juste peur. L'arbre mana pousse à Purita s'il nous protège. Moi, j'aimerais bien aller voir l'arbre mana. Voir Vulk. Des fois, ouais. Bah, tiens, d'ailleurs. Maintenant, je crois qu'en tout cas, j'ai une amélioration de boomerang à faire. Ah, vous parlez d'une grappette. Ah bah, il faut enflammer aussi. C'est bon, quelle arme est prête? Parce que, ouais, tu vois... Ouhouhou, changement de palette pour le bon moment. Voilà, tout d'un coup, il s'est transformé en schtroumpf. Donc ouais, le point, je m'en fous, j'utilise pas. La lance non plus. Là, le boomerang, je vais le faire. Et je crois que j'en ai un pour le fouet aussi. Attends, ça s'appelle comment? Ah, c'est un fléau. C'est un deuxième, ça? Ouh, mais oui! Morgenstern! Ya! Yeah. Par contre, l'arc, là, c'est... Non. Nice! Aussi, il a juste décidé d'aller crêcher chez des gens. Il leur a pas demandé leur avis. Il est juste là. Ouais, je vais juste vivre chez vous le temps que mon pote, là, le chevalier mana qui débarque, quoi. Le sage Socrate! Ah oui, c'est juste, il y a Socrate là-dedans. En plus de, comment, Rocky? Non, c'est pas Rocky, c'est... Attends, il y a Schwarzy et puis il y a Rambo. Ça, c'est des méchants. Le sage Socrate vit tout en haut de la Sierra. Cette fille apporte toujours des fleurs. Quelle fille? Cette fille-là avec le grand crâne. Ce temple date de la guerre du Fort Mana. Fort Mana. Les sphères à l'intérieur renferment des archives. Les anciens les appelaient les vidios, je crois. Les vidéos. Vidéos sur Twitch. Les VOD. De Y. Qu'il oublie d'enregistrer sur OBS après 45 minutes. 42, je crois, c'était. Bref. Bonjour, êtes-vous venu méditer? Oui, avec mon tambour flammy. Je sais plus comment ça s'appelle en vrai. Attendez, je vais regarder. Non. Ne me perturbe pas quand je médite! Je peux pas passer. Non. On s'entraîne à faire de la basse profonde. J'arrive pas plus bas, je suis déçu. Moi je veux toutes ces sphères mana. Xag zgzgm. Bip bip. Oh la vache.
Crack Boom Hugh. Celui-ci est hors service. Est-ce que celui-là il est en service? Bip bip. Oh Rosanna, mon cœur est brisé quand elle n'est pas là. Oh Rosanna. J'ai pas ma basse là. Non, j'ai une guitare qui est pétée et puis ma guitare gauche. Non, je peux pas jouer. Hey Sharona. Gzaz. Bip bip. Flash d'info. Allo Blorima a lancé des missiles sur l'Empire qui a menacé d'envahir ce pays avant la nuit tombée. Et maintenant, la météo avec My Sharona. Là, tu peux voir Demo Mana. Il vient juste d'attaquer le fort. Oui, viens par ici. Nous allons. C'est chelou, c'est quoi? Des bouts d'émission radio, quoi. Ouais. Explosé. Ouais. Ce jeu est étrange. Nous devons limiter l'utilisation de l'énergie mana. Quelle bêtise suprême. Nous la maximisons. Non, toi, tu ne peux pas. Ah, tu comprends rien. Nous devons arrêter de planter des... des antennes 5G. Vous avez vu c'est tout ce bordel par rapport aux antennes 5G, vous en pensez quoi, vous? Qui était Lincoln? Correct! Vous êtes notre champion en titre! L'installation des antennes 5G va-t-elle détruire l'humanité dans les 50 prochaines années? Vous le saurez en regardant notre reportage. Le sage Socrate ne te verra que si tu lui montres ta volonté de t'assumer. C'est comme volonté de m'assumer. Réfléchissons. Comment est-ce que je montre ta carte d'identité? Ah! Y. Snowboardski, né en 93, en mètre 72, 72, 73? Attendez. Suisse. Les yeux tricolores. En général, quand je dois montrer ma carte d'identité, c'est quand on veut pas me croire que j'ai 25 ans quand je suis en train d'acheter de la bière. 72. Qui vient de Fribourg. Valable jusqu'en 2027. Ah, c'est juste. J'avais refait en 2017. Et comme je suis vieux, maintenant, elle est valable pendant 10 ans. C'est méga cool. Bref, y a pas la couleur des yeux, y a plus la couleur des yeux sur un. Non mais Socrate, s'il te plaît quoi. Comment est-ce que je montre à Socrate que je m'assume, ma volonté de m'assumer? En partant. Parce qu'au final, je suis ma propre personne. J'ai pas besoin d'un vieux type pour me dire quoi faire. Je suis sûr que Socrate, c'est ce caillou. Non. Hey Yovin, le film était trop bien, vraiment. Cool. Parce que moi j'avais pas vu le film Tomb Raider. Faudrait que je regarde le film Assassin's Creed. Le seul écho que j'en ai entendu, il me semble que c'était Scott qui m'avait dit qu'il l'avait bien aimé. Mais moi je veux voir Socrate.
Je suis sûr que tu es Socrate. Seul Socrate ne te verra que si tu lui montres ta volonté de t'assumer. T'as le DVD. Ouh, nice. Montrer ma volonté de m'assumer. Ce sera pas en utilisant un de mes objets. Sûrement pas en utilisant une de mes magies. Là, je peux pas utiliser d'armes. Je peux pas sauter du bâtiment pour me suicider. Ici, je peux utiliser mon arme. Mes armes. Est-ce que je devrais utiliser l'épée mana ? Non. Là, je peux utiliser aussi. Plus du blé. Ah, c'est sûrement ça. Ma volonté de m'assumer. Non, des mana, il vient juste d'attaquer le fort. Ouais, non. C'est juste des émissions radio. Le Radio Red ou bien Dig Up the Rock. Là, je peux pas utiliser d'armes par contre. Je vais recoser aux différents types. Oh, ça, c'est le vieux qui aime pas que je lui parle, c'est la gamienne, vous êtes venu méditer. Oh, tu m'emmerdes pas, hein, espèce de sale petit con, hein, les jeunes, c'est plus que c'était. Moi, de mon temps, on lisait des livres, on jouait pas à des jeux vidéo. Est-ce que Socrate est au bistrot? La vieille, l'autre gars, est-ce que j'ai causé à tous les grands fronts? Ouais, videos, videos. Okay. Tout en haut de la Sierra. Ouais, non, mais alors il est tout en haut. Il faut que je trouve un moyen de pouvoir aller tout en haut, quoi. Il doit y avoir une action à faire quelque part pour faire apparaître un escalier tout en haut, je pense. Et à mon avis, le fait que je puisse utiliser des armes juste dans ces deux salles, c'est pas pour rien. Parce que ça peut être des armes, mais ça pourrait être aussi... Non, apparemment là, y a rien à viser. Je me dis peut-être que ça pourrait être des ascenseurs ou quelque chose. Non. C'est pas comme s'il y avait une sphère sur laquelle il faut envoyer quelque chose. Non, je voulais pas rentrer dedans. Je sais pas causer ces statues bizarres. Ta volonté de t'assumer. Je me casse, je vais voir d'autres trucs dans le village. Pendant que je médite là-dessus. Peut-être qu'il y aura des villageois qui pourront me donner des infos sur Socrate. Ça, je le fais IRL aussi, pousser des vieilles comme ça parce qu'elles sont sur mon chemin. Monsieur Grand Front, Mana c'est dans le cosmos, ouais, je m'en fous. Il n'est pas infini, les gens n'apprécient plus les plaisirs de la vie, donc Mana se meurt. Ah. Auberge. Bistrot, non, auberge, non?
pas Socrate là. Tant de se tirer une bière. Ah ouais. Juste élève, c'est Platon, il fait des conneries. Sale gosse. Tu con. Socrate et son disciple Philo vivent au sommet. Appréciez notre jolie ville. Elle est effectivement jolie. J'appellerais pas ça une ville dans la mesure où il y a 2 maisons et demie, mais... Mais c'est très joli. Monstre patrouille le sentier jusqu'au sommet. Alors, c'est pas là où je pensais. Du coup, je vais juste passer au shop pour voir dans quelle mesure il y a du nouvel équipement acheté. Collier lié. Ok. Bandeau. Et armure. Oh là 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 là. Peut-être pas encore, hein. Mais le reste, je peux acheter. Juste checker que ça, ce soit effectivement meilleur que ce que j'ai déjà. Sans doute, hein, mais on ne sait jamais. Il pourrait y avoir un petit... une espèce de petit troll. On va commencer par un moi, parce que... Hein, parce que moi... Donc 32 et on passe à 38. Ouais, ça vaut la peine. Allez, on achète les deux autres, on revend tout. On fait pareil avec les colliers, machin. Ah merde! Attends, tu peux pas! Oh, j'ai pas fait gaffe! Bon, j'en ai acheté en trop. Pas grave, on revend. Perdu un peu de PO, ça va! Trop la mort. Alors, on revend ça. On revend ça. À peu près 5 minutes, c'est pas grave. Et ça, ils peuvent utiliser les 3, on achète directement 3. Heureusement que je suis déjà full stuff, hein, parce que... oui, c'était bien équipement. Alors on passe à 20, ouais. Ouais, moi, s'il te plaît. Voilà. Par contre, j'aurais clairement pas de quoi acheter autre chose. Pour l'instant. Ah ouais, tu joues à quoi? Attends, je vais pouvoir regarder ça moi-même par la magie du Discord. Tu joues à Dolphin. Sans bon jeu. Récupérer 800, quoi. 800 PO. Shadow, ok. Je vous laisse juste... Non, là, je vais aller à l'auberge. Je vais faire un BRB, c'est pour ça. Vous en allez pisser. Mais d'une force... Voilà, une nuit coûte 150. Heureusement que j'ai de quoi. Et puis du coup, à tout de suite. Moi, je reviens. Donc, 2 minutes. C'est pas ce que je voulais mettre à la base. Oh, mais en fait, je suis pas sûr. Voilà. Voilà, le BRB, il est tout en haut. À tout de suite. Thank you.
Alors, une sauvegarde, ouais, à la base c'est pour ça que j'étais venu. Alors, donc du coup, s'il est censé y avoir des monstres sur le chemin, je peux aller où il faut. Mais en même temps, il n'y a pas vraiment d'autres sommets qu'ici. Je m'entends pas bien. Voilà, maintenant je suis un peu plus en face. Même si c'est toujours pas parfait, c'est étrange. Mais non. Il y a un autre endroit auquel j'ai accès depuis le village. Parce que moi, il me disait clairement que c'est ici que se trouve ce que je recherche. Ça marche, Vin. À bientôt. Ah, là au sud, j'ai pas essayé d'aller. Wow! Ouais, je vais juste reprendre. Non. C'était bien là. Reprendre mon fouet. Mon Morgenstern! Morgenstern. Non, c'est autre chose. Ça se dit pas sur Twitch. Mais ouais, je pense que je vais trouver l'endroit. Et puis après, j'irai voir cette histoire de race de Day. Que je vous conseille à 100% d'aller regarder, hein, évidemment. Mais apparemment, pour l'instant, je crois pas qu'il a déjà démarré le stream. Ouais! Ok, ça c'était un beau trésor, ça. Je vais éviter de gaspiller des points de magie, hein. Au pire, mon personnage y crève, on le ressuscite avec l'une de nos très nombreuses coupes, que l'on utilise de moins en moins, d'ailleurs, je suis content. Joli! C'est qui a gagné quoi? Il gâte le niveau 30. Ah oh. Puis du coup, je récupère tous mes PV, c'est parfait. Non. Non, pas les pétales magiques. Dodo niveau 5, fuck you. Ah, t'es quoi? T'es quoi? Ah. Ah. Non. Oust. Eh
Est-ce l'allégorie de la caverne de Platon? Platon. Ah bah voilà, Rogdai qui commence son stream. Histoire d'être bien à l'avance parce qu'il commence à être mis, je pense. Je vais continuer à... C'est pas là que je voulais aller. Ouais, je viens de voir. Je vais pexer un peu ici, puis après je vais juste utiliser une corde sortie et puis retourner au village. Save. Et arrêter le stream et puis regarder Sudrog, je pense. Je pense aussi très légèrement fatigué. Oh là là, mais je me fais défoncer, la vache! Ce kit de là, je peux l'avoir? Oui! Allez, viens là, mon petit machin. Mon petit bouchon, allez. Oui, montre-moi que t'as au moins 10 de QI. T'es capable de mettre une jambe devant l'autre. Ah, mais ça, c'est censé être un mur. Ok, ouais, moi aussi 10 de QI. Hein. Oula. Et là, il va falloir utiliser le... La hache. Yeah. Est-ce que je peux pexer contre eux? Non, juste continuer, voir à quoi ça ressemble. Si j'arrive à faire une mini-action en 15 minutes, je suis content. En vrai. Je suis mini. Tout mini. Continue, hein. De toute façon, là, le mana, je m'en fous. Non, mais arrête de faire apparaître de la saloperie. Bon, il est bientôt crevé, quand même. Voilà. Encore ce machin qui... Ouais, bon, voilà, maintenant. Moi, je suis mort, c'est pas grave. On va juste essayer de faire en sorte que... qu'un des autres personnages level up. Et je me casse. Bon, ce sera pas contre eux. Ouais. Les armes. Là, y'a que dalle non plus en vrai. Ah, mais là, y'a moyen de. D'aller au sud, non? Ouais. Voilà, maintenant je suis au niveau supérieur, et si je vais là... J'ai fait quelque chose. Mur niveau 4, mais c'est que ça me fait une jambe. Que dalle. Non, fais pas chier. Voilà, maintenant il arrive pas à suivre. Monte, monte, monte. Monte, viens. 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 Papé. Papé, au pied. Papé, pas chier. Merci. Dernière action, je me dis. Ça, c'est un piège. C'est 1000 PO.
Papé, tu vas vraiment me casser les couilles à ce point. Ok, on va faire ça comme ça. On va le contrôler, lui. Chaos. Voilà. Fuck you. On switch entre les persos, puis c'est parfait. Ouais, par contre, là, j'ai 1000 choix et demi. Que dalle. Je passe en haut. Là, c'est labyrinthique. Là, ça me plaît un peu moins. Casse-toi, je veux passer à côté. Voilà. Non, ils sont trop. Là, il y a que dalle. Donc, non, c'était à côté. Je pense qu'il doit y avoir un dernier truc sur lequel faut appuyer, et puis après, ça m'ouvrira quelque chose. Il y aura peut-être un boss. Ce qui durera à peu près un moment. Puis... non. Ah, mais là en bas. Non. Voilà qui est dérangeant. Bon, juste pexer et puis essayer de récupérer un nouveau niveau pour quelqu'un. Et puis tu t'envoles maintenant, toi. Juste faire un petit heal général comme ça, c'est fait. Est-ce que je peux le glitcher, lui? Ouais. Allez, juste un petit level up quelconque. Ouh, oui, 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 bug. Oh, ouais. Allez, viens là. Tu viens? J'ai buté? Où c'est lui? Nice. Mais pas de level up. Bon, ça aurait en rien. Non, c'est chiant. Mais... Mur, je m'en fous. Ouais, attaque l'autre en glitchant, c'est parfait. Force sombre, oula! 84, ça va. Voilà, niveau 30 pour Papé. Elle est niveau combien? C'était sous stat. Niveau 30, ok. Je crois que tout le monde est niveau 30. Et peut-être 32, une connerie comme ça, bref. Du coup, ouais, je vais pouvoir m'arrêter là. Je vais prendre la corde sortie. Juste voir par curiosité ce qu'il y a ici. Mais juste voir. C'est des fois qu'il y a un objet ou un truc comme ça. Non, encore toute une nouvelle zone. Ouais, ça, je pense que je vais garder pour la prochaine fois. Au pire, là où j'en suis, je peux flammer n'importe quand. C'est quoi ça pour un monstre? Oh non, là ça m'a l'air d'être le sommet dont ça parlait avant. Ouais, puis en plus là, Papé, il a décidé de faire n'importe quoi, donc... Vraiment n'importe quoi. Allez. Essaye juste un peu plus fort, non?
vais à l'auberge, je vais save et puis je vous envoie chez Rogue. Vraiment aller regarder ce que fait Rogue. Il a sa race. Allez le soutenir. En écrivant des insanités dans le chat. Mais le soutenir quand même. En tout cas, j'aurais pu avancer un petit peu là-dedans. Je suis content. Oh là, avant il était resté gris, j'avais pas compris. Ouais, Y il va arrêter le stream. Allez, la save state du au cas où cette save elle a pas pris. Et puis ouais, du coup je vous retrouve normalement demain soir, je crois que attends, on est vendredi. Ouais, j'aurais de toute façon rien. Normalement, je devrais pouvoir être là pour continuer à voir si je fais un petit peu de Zelda Z Quest avant pour continuer mon projet. Sekiro, oh, moi de toute façon pas, non. Moi de toute façon pas. Ribéris. Allez, du coup, moi je vous retrouve demain. Passez une très bonne soirée, je vous envoie chez Rogue Dae. Et puis, passez un moment quoi. À demain, lavez-vous les dents. Ciao. Y.